Alors, voici une présentation rapide de, des fonctionnalités du système Ajux. Alors, qu'est-ce que Ajux On pourrait le résumer euh, dans le fait que Ajux est un bureau virtuel, avec de nombreux services qui sont intégrés dans ce bureau virtuel, et que vous pouvez accéder à cette interface, puisqu'elle est euh, hébergée dans le cloud, vous pouvez euh, accéder à cette interface de n'importe où, que ce soit de chez vous, évidemment, mais que ce soit... En déplacement, à l'hôtel ou chez des amis, il vous suffit de vous connecter sur cette interface pour retrouver tout votre univers habituel, que ce soit sur PC, que ce soit sur une tablette ou éventuellement sur un smartphone. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve Eh bien, un des intérêts principaux de ce système Ajouk, c'est un système de favoris évolué. Donc, vous voyez ici, il y a quelques sites qui apparaissent sur cette page d'accueil. Eh bien, vous pouvez en mettre autant. Que vous le désirez, et vous pouvez ainsi retrouver facilement les sites que vous euh, utilisez régulièrement. Et à la base, c'est pour cette raison que je l'ai fait c'est pour pouvoir euh, ne plus avoir à me, me battre à retrouver dans les marque-pages. Alors, je vais vous montrer les miens. Vous voyez, euh, j'ai des marque-pages qui ressemblent à ça, où il y a des tonnes et des tonnes de marque-pages, et je n'y vais même plus, tellement euh, j'en ai sauvegardé, et je suis incapable de les retrouver. Là, vous avez un système qui est graphique qui est euh, très intuitif où vous pouvez prendre les sites que vous avez ajoutés et puis euh, les déplacer comme ça pour les les organiser euh, comme euh, vous avez envie. Vous pouvez créer des dossiers. Ici, j'ai un dossier web perso dans lequel j'ai mis, eh bien, le programme télé, euh, euh, les sites euh, pour l'école des enfants. Euh, ici, j'ai euh, l'adresse euh, les horaires directs de la déchetterie de de la ville qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc vous voyez des services utiles. En plus de ces dossiers, dans lesquels je me trouvais tout de suite, eh bien, vous avez, alors si, vous avez un dossier supplémentaire qui s'appelle secret. Alors, dans ce dossier secret, eh bien, vous pouvez mettre des liens vers des sites, des vidéos, etc., des liens internet, euh, que vous voulez garder euh, secret. Par exemple, vous ne voulez pas que que vos enfants ou euh, des amis qui utilisent votre interface ou autre euh, voient ces sites ou puissent y avoir accès, vous les mettez dans ce dossier secret et pour pouvoir y accéder, eh bien, il faut absolument que vous indiquiez un mot de passe. Donc, c'est un euh, dossier qui est sécurisé par un mot de passe fort euh, auquel, euh, eh bien, les gens qui ne connaissent pas ce mot de passe ne peuvent pas accéder tout simplement. Vous avez également, vous pouvez créer autant que vous voulez de d'onglets dans lequel vous pouvez également répartir d'autres sites. Voilà. Alors moi j'ai mis des sites, euh, voilà, de test dans ces euh, dans ces onglets et je vais vous montrer par exemple que si vous intégrez des liens vidéo, eh bien ils sont automatiquement reconnus. Si on clique sur cette vidéo YouTube, et eh bien vous voyez la vidéo démarre. Euh, pareil pour euh, DailyMotion, euh, pour les vidéos de. De Vimeo, etc. Les vidéos sont automatiquement reconnues. Et sinon, si c'est un site comme Airbnb, eh bien évidemment, vous partez directement lorsque vous cliquez sur la vignette vers le site en question. Alors, vous avez ici aussi une, un moteur de recherche multimoteur, c'est-à-dire que là, vous tapez, euh, vous tapez, euh, euh, on va dire, euh, carotte. Allez, vous tapez carotte et vous arrivez directement, évidemment, sur l'interface de Google. Mais vous pouvez également Rechercher sur Bing, sur Yahoo, sur euh, voilà, sur des tas d'autres moteurs. Vous pouvez sélectionner même sur des moteurs d'image, euh, par exemple sur euh, Unsplash. Eh bien, si on recherche carotte, alors euh, on va pas rechercher carotte, on va rechercher euh, house parce que je pense qu'il faut faire voilà la recherche en anglais. Bon, il nous a transformé en housework. Donc vous voyez un moteur de recherche d'image. Euh, il y en a un autre. Enfin voilà, c'est un système multi moteur. Donc, comment ajouter un site dans cette interface? Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous cliquez ici. Vous avez le choix soit d'ajouter un site en indiquant ici son adresse web, son URL, soit ajouter un dossier en mettant le nom du dossier, des informations sur ce dossier et éventuellement en choisissant euh, la couleur désirée du dossier. Donc, ça, c'est pour la partie euh, favori évolué. Donc, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que ici, si je clique ici, je vais arriver sur la même page parce que j'ai mis euh, le système ajoute sans page d'accueil de mon navigateur et pourquoi j'ai fait ça simplement parce que à chaque fois que j'ouvre mon navigateur bien je me retrouve dans mon interface avec mes habitudes avec tous les sites que je consulte habituellement et puis euh, c'est beaucoup plus facile pour euh, utiliser internet chaque jour de se retrouver dans le même univers ne pas avoir à rechercher euh, vos sites favoris les liens que vous consultez habituellement et de tout avoir très rapidement sous la main donc dans ce système Ajoux c'est eh bien, vous avez aussi d'autres fonctionnalités. Alors bon, on va revenir, on va rester sur les sur les, les vignettes sur les Ajoux. Vous pouvez euh, les mettre en petit, vous pouvez cacher les images, euh, vous pouvez les mettre en grand sans les images et euh, voilà, on va rajouter les images. Vous pouvez donc choisir la taille suivant euh, éventuellement la quantité que que vous allez ajouter dans le système. Alors on a un autre, une autre fonctionnalité qui sont des petites notes. Vous pouvez créer des petites notes de couleur Alors ici, vous avez une couleur qui va se mettre de façon aléatoire parmi celles-ci, mais vous pouvez, euh, si on édite par exemple cette note, et eh bien là aussi vous pouvez choisir la couleur de votre note comme vous le désirez, ou utiliser une des couleurs qui sont prédéfinies. Alors ça sert à quoi bah, C'est euh, des sortes de penses bêtes dans lesquelles vous pouvez écrire, et eh bien voilà, ce que vous désirez euh, conserver en mémoire, et puis vous pouvez également soit le faire sous forme de texte comme ici, soit vous pouvez le faire sous forme de liste. Si vous cliquez ici, ça change, vous créez une liste. Si vous décochez, vous créez une note. La différence, ici c'est une note donc simplement un, un traitement de texte on va dire et ici, eh bien, ça s'affiche sous forme de liste ordonnée, voilà, avec un, un petit point devant comme une liste de courses par exemple, euh, c'est plus commode de voilà de l'afficher de cette façon. Donc vous pouvez créer autant de notes euh, que vous le désirez, vous pouvez les classer dans ces dossiers, personnel, travail, famille, là encore un dossier secret dans lequel vous pouvez mettre des notes qui ne sont accessibles qu'avec un mot de passe. Donc ça c'est une autre fonctionnalité de ce service Ajoux Et vous pouvez choisir une note que vous allez mettre en permanence ici pour l'avoir sous les yeux. Alors si je l'édite par exemple ma note ici, vous allez voir que, euh, déjà bon, je peux en changer le fond, on va mettre un, un fond jaune comme un espèce de... comme un vrai post-it. Voilà un front jaune comme ça. Ici, si vous cochez la case, si vous cochez la case, afficher cette note sur la page d'accueil, et eh bien, elle sera affichée sur la page d'accueil. Et si on décoche cette case, et eh bien, vous allez voir que si on va sur la page d'accueil, vous n'allez avoir que la, la liste ici de vos affiliés, mais il n'y a plus la note. On va la remettre. On retourne ici, on recoche la case, enregistrer, on retourne sur la page d'accueil et vous voyez mon petit post-it se retrouve ici et donc je peux le consulter quand je veux. Ensuite, nous avons un système de transfert de fichiers. Alors c'est quoi un système de transfert de fichiers Eh bien c'est simplement, euh, voilà, vous prenez un fichier sur votre ordinateur, vous le glissez déposer ici, il vient, alors il y était déjà, bon, je vais l'enlever, voilà, je recommence, je prends mon fichier, je le télécharge. Et voilà, il arrive dans la liste des fichiers, et avec ce fichier, eh bien si je clique ici sur le petit icône de partage, je peux récupérer ce lien et envoyer ce fichier à mes correspondants, ou je peux directement entrer l'email d'un euh, correspondant pour lui envoyer en cliquant sur la petite enveloppe directement ce fichier. Alors ici pour un fichier d'image de, de, de 40K, ça n'a aucun intérêt, mais vous pouvez le faire avec des fichiers très lourds de, de plusieurs euh, mégas ou, ou gigas. Et là euh, eh bien, vous allez voir que ce service est extrêmement utile puisque vous envoyez simplement un lien à votre correspondant et de son côté sur son PC, il récupère ce gros fichier simplement en cliquant sur euh, euh, Télécharger ce fichier sur son appareil. Alors tous les fichiers que vous mettez ici sont automatiquement supprimés au bout de 7 jours sans que vous n'ayez rien à faire, sauf si vous cliquez ici sur le petit icône Archive qui vous propose d'archiver euh, ce fichier, oui ou non. Alors si vous cliquez sur Oui, eh bien... Votre fichier se retrouve ici dans le dossier Archive et vous pouvez le garder autant de temps que vous désirez. Donc vos fichiers sont archivés, vous pouvez les récupérer, vous pouvez voilà les, les archiver dans le système. Ça c'est pour le système de transfert et d'archivage de fichiers. On a également un système de traitement de texte dans cette interface. Donc vous voyez, euh, je vais cliquer sur ce texte-là, où vous avez bah, simplement un système de traitement de texte en ligne. Voilà, évoluer, vous pouvez mettre du gras, changer la fonte, euh, voilà, comme euh, dans un traitement de texte classique. Et vous pouvez ensuite télécharger votre texte sous forme de texte simple de doc, word, de html ou en faire un pdf comme vous le désirez. Vous l'enregistrez et vous pouvez voilà sauvegarder vos différents textes dans cette interface et éventuellement les classer dans des dossiers internet personnel travail et encore là le fameux dossier secret. Ensuite, eh bien, nous avons un système de messagerie qui vous permet, eh bien, de contacter vos correspondants et d'échanger, euh, avec eux. Voilà. Vous pouvez répondre à vos correspondants. Vous pouvez voir, euh, voilà, ce qu'ils vous écrivent. Et ces correspondants, eh bien, qui sont, ce sont vos affiliés. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une vingtaine d'affiliés qui peut s'afficher sur euh, la page d'accueil du site. Et à quoi vont servir ces affiliés? Eh bien, on va voir que ce système est lié à un système euh, d'affiliation euh, multiniveau et que vous allez pouvoir toucher des commissions sur vente sur les abonnements pris par vos affiliés. Donc, si vos affiliés deviennent clients du système, eh bien, nous vous reversons euh, des commissions sur vente. Alors, à quoi se euh, servent cette, euh, ces abonnements que peuvent prendre vos affiliés? Alors lorsque vous êtes en compte normal, c'est-à-dire en compte standard, gratuit, eh bien, euh, vos possibilités sont limitées. Vous ne pouvez mettre qu'un certain nombre de, de sites, donc d'ajouts dans le système, vous pouvez qu un, créer qu'un certain nombre de fichiers ou de. Vous ne pouvez créer qu'un certain nombre de textes ou de notes, vous pouvez transférer que des, des, des fichiers relativement euh, d'un poids relativement faible. En tout cas, vous n'avez pas toutes les possibilités que vous donne le système si vous passez avec l'abonnement premium. Alors l'abonnement premium, il n'est pas euh, extrêmement coûteux, c'est simplement 33 euros pour 6 mois où euh, vous avez une réduction de 10% ou de 20% si vous prenez directement un abonnement de 1 an ou de 2 ans. Et c'est sur cet abonnement qui vous permet de débloquer toutes les fonctionnalités du système Ajoux que vous allez toucher une commission si vous nous amenez des clients. Donc la commission pour vos clients directs est de 25%, donc par exemple de 8,25 euh, euros pour... Euh, un abonnement de six mois, et puis voilà, le montant augmente évidemment si la personne prend un abonnement sur une durée plus longue. Mais également, vous allez toucher une commission sur les affiliés de vos propres affiliés. Donc, vous pouvez toucher 10% de commission sur les affiliés de vos affiliés. C'est-à-dire si une personne s'inscrit grâce à vous et que cette personne, eh bien, euh, amène une euh, un nouveau membre. Dans le système Ajoux qui devient client et prend l'abonnement, eh bien, on vous reverse 10%. Et ça, on le fait sur six niveaux de profondeur. Lorsque vous êtes en compte gratuit, eh bien, vous touchez des commissions sur trois niveaux de profondeur, c'est-à-dire l'affilié de votre affilié de votre affilié. Mais si vous prenez, vous êtes vous-même en compte premium, eh bien on vous reverse une quantité de commissions plus importante, c'est-à-dire que vous pouvez toucher des commissions sur les clients qui sont amenés par vos affiliés, de 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 vos affiliés donc sur six niveaux de profondeur. Euh, C'est un système qui vous reverse si votre réseau arrive à six niveaux de profondeur. Et eh bien, on vous reverse jusqu'à 75 de commissions, c'est-à-dire les 25 de commissions de départ plus les 10 pour chaque niveau, on arrive donc à 75% de commission au total. Donc, c'est vraiment pas négligeable. On vous reverse 75% du montant des commissions que, des, du montant des ventes que l'on encaisse, que le système ajoute s'encaisse. Vous n'avez pas besoin d'être client vous-même pour participer au système d'affiliation. Donc, si vous êtes en compte standard, donc, si vous utilisez gratuitement le système avec ses limitations, eh bien, vous pouvez tout de même en, en faire l'affiliation et toucher des commissions sur vente. Donc, comme on a vu, évidemment, ces commissions seront un peu plus limitées puisque vous n'aurez pas accès à la totalité des, des commissions auxquelles vous pouvez prétendre, mais vous pouvez très bien le faire de façon euh, gratuite. Il y a strictement, sans prendre vous-même un abonnement, il n'y a strictement aucun problème. Ce sont des commissions récurrentes puisque, évidemment, lorsqu'une personne s'abonne au système Ajux et l'utilise quotidiennement, eh bien, vous avez de fortes chances que cette personne reste abonnée pendant 6 euh, mois, 1 an, 2 euh, ans, voire euh, Espérons-le beaucoup plus, beaucoup plus longtemps. Et tant que cette personne renouvelle son, son abonnement, eh bien, vous continuez à toucher vos commissions sur vente. C'est un service utile puisque, on a vu, ce sont des services basiques et nous allons en rajouter euh, énormément d'autres. Et euh, sur euh, ces services, eh bien, ce sont des services que euh, la plupart d'entre nous utilisent tous les jours. En tout cas, entre autres, pour retrouver ses sites préférés. Donc, le système de de favoris évolués, eh bien euh, la plupart des internautes, des internautes l'utilisent euh, pratiquement tous les jours, et ça en fait vraiment un service utile à tout internaute. Donc un potentiel de clients vraiment euh, très important. On a mis ensuite euh, en place des commissions de persévérance, c'est-à-dire que si vous amenez 10 clients, et eh bien on vous reverse au dixième client, on vous reverse une prime fixe de 10 euros. Mais on continue jusqu'à 50 000 clients. Si vous nous amenez 50 000 clients, et eh bien au 50 millième clients actifs dans votre compte, et eh bien on vous reverse une prime fixe de 50 000 euros. Alors, ça vous paraît peut-être très important comme, comme quantité, 50 000 clients, sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, et eh bien le marché, rien que le marché francophone euh, des internautes, et eh bien ça représente euh, environ 70 millions d'utilisateurs, donc potentiellement le système Ajoux peut être utile à 70 millions de personnes. Euh, en France, j'ai dit francophone mais c'est pas francophone, c'est en France, au niveau francophone on doit être à 140 millions à peu près je pense, et ce service va être euh, traduit dans de nombreuses langues, donc là c'est euh, ce sont euh, des marchés de plusieurs centaines de millions de personnes euh, potentielles qui peuvent être intéressées par ce système Ajoux. Donc le potentiel de développement est vraiment très très important. Donc voilà, on a fait le tour, alors je vais vous montrer quand même le système euh, d'affiliation. Donc voilà, vous pouvez voir par niveau en fait euh, vos, vos affiliés. Donc euh, le niveau 1, le niveau 2, c'est-à-dire les affiliés de vos affiliés. Voilà. Et puis on peut descendre, on descend comme ça, voilà les affiliés de vos affiliés, de vos affiliés. Donc vous pouvez voir euh, vos différents affiliés, vous pouvez eh bien les contacter avec le système de messagerie et donc les motiver à entretenir une relation avec eux pour leur permettre de eux aussi de d'amener eh bien des euh, des membres dans ce système euh, Ajoux dans cette communauté et toucher éventuellement des euh, commissions sur vente s'ils amènent des clients. Voilà, nous venons de faire le un tour rapide des fonctionnalités du système Ajoux. Et eh bien, si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous n'avez pas commencé encore à créer votre communauté ou à y inscrire vos sites préférés pour pouvoir les retrouver euh, tous les jours dans votre navigateur, eh bien n'hésitez pas, faites-le. Et surtout, n'hésitez pas lorsque vous commencez à utiliser ce système Ajux, à le mettre en page d'accueil de votre navigateur. C'est en général ici euh, dans les options du navigateur. Vous le mettez en page d'accueil et comme ça, lorsque vous ouvrez votre navigateur, eh bien vous avez immédiatement accès à tous vos sites et vos services préférés. On se retrouve dans une prochaine vidéo.